Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir également aux personnes très nombreuses qui nous suivent grâce à un écran dans une salle du Centre des Congrès. Monsieur le Préfet, Madame la Sénatrice, chère Cécile Cuckerman, Madame la Vice-présidente du Conseil régional, chère Marie-Camille Ray, qui représente Laurent Vauquier, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Georges Ziegler, Monsieur le vice-consul d'Algérie, Mesdames, Messieurs les consuls honoraires, Madame la directrice départementale de la sécurité publique, Messieurs les représentants de la police nationale, de la gendarmerie, de la police municipale, Mesdames, Messieurs représentants de la cour d'appel, Messieurs les représentants de la délégation militaire départementale de la Loire, Messieurs les représentants du corps des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs les dignitaires de la légion d'honneur, les compagnons de la libération, dignitaires de l'ordre national du mérite, porte-drapeaux et anciens combattants, messieurs les présidents du tribunal administratif de grande instance et monsieur le procureur de la république près ce tribunal. mesdames, messieurs les élus du conseil régional et départemental, élus de saint-étienne métropole, de la ville de saint-étienne, chers collègues. mesdames, messieurs les représentants des administrations d'état, des universités, directeur des grandes écoles, Mesdames et Messieurs les représentants du Tribunal de commerce et du Conseil de Prud'Homme, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers, chambres d'agriculture, CPM Loire, MEDEF, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil de développement et son président, cher Claude Rizac, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Ordre des avocats, des ordres professionnels, Mesdames et Messieurs les présidents et présidents d'associations, Messieurs les représentants des cultes, chère Christiane Lillo et Charlotte de Pape, Miss Prestige 2018, mesdames et messieurs, je tiens avant toute chose à vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année, pleine de joie et de bonheur, et que vos projets puissent aboutir qu'il soit personnel ou professionnel. Comme lors d'une traditionnelle soirée de vœux, j'aurais pu faire le bilan de l'action municipale en 2017, qui s'inscrit dans la lignée de mes engagements des élections municipales de 2014. J'ai préféré la démonstration par l'image et par la voix de ceux qui font Saint-Étienne, les entrepreneurs qui croient en notre territoire et qui développent dans le monde entier leur savoir-faire et leurs compétences, leurs innovations et leur amour du travail bien fait. Nous les accompagnons dans leurs projets de croissance pour favoriser l'emploi sur notre territoire et la création de richesses. Les acteurs sociaux qui offrent des ouvertures culturelles et d'éducation populaire à notre jeunesse, qui est notre avenir, dans un monde aux repères mouvants, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur eux pour défendre à nos côtés les valeurs indiscutables de liberté, d'égalité et de fraternité. Les commerçants qui font vivre la ville, qui sont le poumon de l'activité économique, savent que notre attention au quotidien est portée à améliorer leur environnement de travail pour permettre à leur créativité, leur dynamisme de s'exprimer dans leurs magasins et dans nos quartiers. Nous aurions pu aussi écouter un artiste, un sportif, un policier, un cantonnier, une personne âgée, un enfant, tellement d'autres talents. Les champs d'action d'une municipalité sont vastes et c'est exactement ce qui rend passionnant, exaltant le mandat de maire. C'est de vivre la ville pour vous, d'anticiper ce qu'elle doit être demain et de la construire avec vous. Comme lors d'une traditionnelle soirée de vœux, j'aurais pu profiter de cette occasion, de la chance de vous avoir tous ici réunis pour évoquer les grands dossiers de 2018. Et je vous assure qu'il y a matière. J'aurais pu vous parler des finances de la ville, de notre promesse tenue de ne pas augmenter les impôts. Malgré une baisse des financements de l'État de plus de 50 millions d'euros depuis que nous sommes élus, de la diminution de la dette à un niveau jamais atteint. J'aurais pu vous parler de l'amélioration du cadre de vie, de la réfection des voiries, dont le budget va considérablement augmenter, ou celui des parcs et jardins, de nos efforts pour perfectionner l'éclairage public, de notre souci constant d'installer un climat paisible, sécurisé et propre ou l'amélioration des transports en commun qui va s'enrichir d'une troisième ligne de tramway. J'aurais pu évoquer devant vous cette ville qui change, qui se rénove, avec plus de 3 hectares de bâtiments anciens démolis dans 12 quartiers différents, et autant cette année, et encore autant programmés l'année prochaine, avec des espaces de respiration, ici et là, des programmes immobiliers qui se commercialisent très bien, attirant de nouveaux habitants. J'aurais pu citer les événements sportifs et culturels qui vont rythmer cette année, comme par exemple le Paris Nice en mars, ou un festival parole et musique complètement revisité en juin, ou encore les investissements favorisant les pratiques amateurs, comme le stade de Côte Chaude, ou la Comète, qui accueillera avenue Mille Loubet de nombreux talents artistiques en devenir. J'aurais pu détailler toute l'action sociale que nous menons auprès de nos enfants. Avec la création de places de crèche, de la rénovation d'une douzaine d'écoles, du retour à la semaine de quatre jours, du programme d'accueil et d'accompagnement des étudiants pour qu'ils vivent pleinement la ville, du soutien aux familles dans leurs difficultés du quotidien, ou encore de notre souci constant de nos seniors, qu'ils vivent chez eux ou dans une maison de retraite. Bien sûr, j'aurais pu parler. Combien avoir obtenu la métropole, d'être dans les 22 qui comptent au niveau national, est un succès indéniable qui va permettre à notre ville de s'affirmer au niveau régional et national. Que je ne baisse pas les bras, malgré les vicissitudes du dossier A45, pour laquelle Nicolas Sarkozy comme François Hollande, François Fillon comme Manuel Valls, Jean-Louis Borloo comme Alain Vidalis ont pris l'engagement au nom de l'État que cette autoroute verrait le jour. J'ai rempli la part d'engagement attendue par les collectivités aux côtés du département et de la région et ma détermination demeure totale. Mais ce soir, j'ai autre chose d'important à vous dire, à partager avec vous. Ce soir, j'ai fait un choix différent que je voudrais vous faire partager. Ce soir, je voudrais vous parler de l'engagement, de ce qui fait qu'en ce début d'année, nous nous battons pour donner corps à une réalité qui parfois nous échappe, mais dont on comprend tous qu'elle est la seule possible. Aussi, ne me demandez pas de vous entretenir de bonnes résolutions. Je leur ai toujours préféré la constance. Elle est discrète, mais solide elle est cohérente. C'est un socle puissant pour l'action publique. Elle engage, m'accompagne chaque jour et nourrit à chaque instant son inséparable compagne, la responsabilité. La constance et la responsabilité devraient former la boussole de tout décideur. J'essaie, dans le rôle qui est le mien, au service des Stéphanois, de m'y référer pour me guider dans l'action publique et dans les choix que je fais. Qu'en est-il aujourd'hui de la constance et de la responsabilité en politique L'élu que je suis se doit de s'interroger sur le rôle de ces deux valeurs dans le débat public. Une question d'autant plus légitime que chacun de nous, dans sa vie professionnelle, personnelle, mais aussi dans ses engagements, peut constater à quel point notre société est désormais embourbée. Alors, comme l'aurait dit Dostoïevski, que devons-nous faire faut-il évacuer d'un revers de la main les inquiétudes légitimes des habitants qui sont confrontés chaque jour à des interrogations sur leur avenir Ce n'est pas notre choix. Mon équipe et moi-même avons décidé de prendre une autre voie. Nos concitoyens ont besoin d'être accompagnés, épaulés dans leurs initiatives, rassurés face aux doutes, protégés face aux aléas de la vie. Oui. Nos concitoyens ont besoin d'être rassurés. À la société du jusqu'ici ça va, je préfère celle où on affronte les réalités, où on réunit plutôt qu'on ne divise. Oui, j'ose l'affirmer, celui qui ne s'interroge pas sur le sens même de l'action publique et que l'injustice ne dérange pas ne devrait pas faire le choix de l'engagement politique. Celui qui croit au déterminisme de la société et ne daigne pas tenter de poser les bases d'une véritable égalité des chances, ne devrait pas s'engager en politique. Une égalité des chances qui ne nivelle pas par le bas, mais qui offre à chacun la possibilité de créer son avenir. Oui, je le répète, celui-là ne doit pas s'engager en politique. D'ailleurs, il ne s'engage pas en politique. Il en fait. Et pire, il en produit. Il en produit comme une marchandise sans donner du sens. Il en produit au gré des sondages d'opinion, en fonction de l'air du temps, changeant d'avis constamment. Il en produit quitte à mépriser la réalité vécue par des millions de gens. Quitte à exploiter les préjugés qui nous accompagnent tous chaque jour quand nous laissons la colère nous guider, pris dans le tourbillon des journées qui s'enchaînent. Ce n'est pas cette société que je veux construire. Je m'emploie tous les jours, avec mon équipe, dont je salue l'abnégation, à combattre les dérives de ces producteurs de politique dont trop souvent la bulle médiatico-numérique craffole. Des dérives dangereuses, car elles font d'autrui non pas un autre moi-même, mais un adversaire, dont l'identité change constamment au gré des soubresauts de l'actualité. Les préjugés sont de précieux alliés permettant de substituer la généralisation au raisonnement. Qui peut croire encore aujourd'hui que les chômeurs sont heureux de l'être et qu'ils forment une forme de caste de privilégiés, que les femmes auraient un cerveau moins bien construit que celui des hommes, que les homosexuels sont des anormaux, que de mauvais résultats scolaires signifient l'idiotie, que la courtoisie serait un signe de faiblesse, que le respect de la dignité est une erreur que les handicapés sont des incapables, que les seniors ne sont plus utiles, que le féminisme doit être une guerre déclarée à l'homme. Ceux qui vous parlent de cela ne font que produire de la politique, et ce, bien souvent, pour asseoir une carrière personnelle et un destin autoproclamé, quitte parfois à confondre insidieusement la cause et la conséquence, et pointer du doigt tel ou tel individu, son genre sa couleur de peau ou son origine sociale. Les femmes et les hommes, les noirs et les blancs, les musulmans, les juifs et les chrétiens, les agnostiques et les athées, je pourrais rajouter la laïcité, les pauvres et les riches, tout est bon pour bâtir les fondations de cette société de la division qui ne contribue qu'à asseoir leur carrière au détriment de l'intérêt général. Est-ce cela l'horizon proposé pour la France en général et Saint-Étienne en particulier pour ma part, en m'engageant en politique, j'ai fait le pari de l'homme. Et je vous invite, en ce début d'année, à partager le même pari. Oui, avec vous tous, quand je vous regarde, je ne vois que des valeurs, je ne vois que des personnes, je ne vois que les stéphanois. Chaque fois que je rencontre un habitant, quel que soit le sujet abordé, je vois d'abord et avant tout une femme ou un homme ayant une part de lui-même à me faire partager. Ensuite, le rôle de l'élu qui est le mien est d'apporter une réponse concrète et aussi adaptée que possible. La vision de l'avenir de la ville n'est jamais exclusive de la gestion courante et concrète du quotidien. Et je maintiens que les bonnes volontés sont partout et que ce sont elles qu'il faut fédérer. Ces bonnes volontés transcendent les clivages politiques. C'est ainsi que je conçois mon rôle de maire. Je regrette que trop souvent, au Conseil municipal, les considérations tactiques prennent le pas sur des analyses objectives. Lorsque, Mesdames et Messieurs les élus de l'opposition, vous critiquez mes décisions, je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention. Toutefois, je regrette sincèrement que vous ne soyez pas davantage dans la proposition, parce que je vous écouterai avec le même intérêt. La société ne peut se construire sur l'exclusion de pans entiers qui la composent. Ce serait absurde et dangereux. Ce serait absurde, car la notion même de société repose sur celle d'ensemble, de réunion, de vie collective. Ce serait dangereux. Parce qu'une telle approche ne peut conduire qu'à sa fragilisation et porte le risque de son éclatement. Trop nombreux sont ceux qui, dans le champ politique, cèdent à des schémas préconçus, celui de liguer des gens les uns contre les autres en cherchant à les rassembler sous différentes bannières, celui d'une victimisation systématique fondée sur toutes sortes de déterminismes supposés ou réels, celui d'un repli identitaire qui serait vrai comme une réponse efficace mais qui n'est qu'un écho inadapté aux défis de notre société. Qu'ont fait les responsables politiques pour arrêter cette lente dérive qui gangrène notre société et favorise le vote extrémiste Il ne faut peut-être pas chercher plus loin les raisons profondes du résultat des élections présidentielles de l'année dernière, qui ont balayé toutes les formations politiques ayant exercé le pouvoir depuis 1958. Les élus doivent incarner une société de la responsabilité. Une responsabilité qui va bien au delà de celle que l'élu doit naturellement aux citoyens dans le cadre de son mandat. Pour moi, nous devons être responsables d'autrui. C'est ainsi que nous bâtirons une société plus forte, plus dense, plus juste et offrant à chacun des opportunités de construire son propre destin. C'est ainsi que nous bâtirons l'égalité des chances, qui n'est pas l'égalité des conditions. En tant que maire, je m'emploie tous les jours, avec constance, à mettre en œuvre cette politique pour offrir à chacun d'entre vous les opportunités de mener à bien des projets, ainsi que pour les plus faibles, la possibilité de construire une deuxième chance. Il est désormais de la responsabilité de ceux qui se sont ré réellement engagés en politique de combattre la démagogie dangereuse qui mine notre République. C'est aussi de la sorte, en défendant les valeurs de la République, que nous donnerons un avenir à la société. Notre ville retrouve petit à petit ce chemin vers l'avenir, après une longue léthargie. Nous le faisons aussi en gérant le quotidien, comme je le disais tout à l'heure. Un quotidien dont il ne faut jamais évacuer la réalité. Sécurité, propreté, transport. Commerce ou vie associative, autant de sujets où nous sommes encore loin d'avoir atteint tous nos objectifs. J'en suis pleinement conscient. Mais après six années d'immobilisme, nous avons dû redoubler d'efforts pour redonner une nouvelle impulsion. Aujourd'hui, c'est une évidence et l'honnêteté me commande de le dire, nous devons encore améliorer certaines choses. Aussi, il m'appartient d'apporter les infections indispensables aux politiques conduites, tout en veillant à ce que les femmes et les hommes censés les porter au quotidien soient à la bonne place. Un certain nombre de choses vont changer d'ici quelques semaines. Je m'y engage. Construire une ville, c'est d'abord et avant toute chose donner un sens profond à l'engagement politique au service des habitants. Ce sens qui construit l'avenir pour tout le monde, mais d'abord pour notre jeunesse. Une jeunesse qui peine à s'unir en ce qui fait notre nation et notre République. Des jeunes qui sont de plus en plus tentés de s'opposer stérilement plutôt que de créer. Je préférerais que la jeunesse construise... Son identité est à coups de guitare, de rêve, d'utopie et d'énergie, plutôt qu'en empruntant des chemins pouvant parfois conduire à la violence et au rejet. Ces slogans qui leur ont été mis en tête par ceux-là même qui produisent du politique. Qu'est-ce qu'une société peut réellement offrir à sa jeunesse si elle ne lui propose comme valeur cardinale que celle de l'argent Celle de l'identité débouchant sur le repli celle de la couleur de la peau. Oui, les producteurs de politique ont une responsabilité écrasante. Et nous tous, mes amis, dans quel Saint-Étienne voulons-nous vivre Une question qui, comme je viens de le dire, transcende les générations et touche tout le monde, jeunes, moins jeunes et nos aînés. Voilà les questions que nous devons nous rappeler. Ce sont celles que je me suis posées pour définir mon projet pour Saint-Étienne. Ce sont celles que l'équipe que j'ai l'honneur de conduire se pose tous les jours au service des Stéphanois. D'abord et avant toute chose, nous sommes responsables des habitants qui, en nous faisant confiance en 2014, se sont montrés eux aussi responsables, responsables de nous. Mon projet pour Saint-Étienne. C'est la renaissance de notre ville. C'est aussi voir la réalité en face, sans céder aux facilités de formules toutes faites. C'est mon devoir d'élu. Le pragmatisme commande les actions qui en découlent. Pour atteindre notre objectif, nous devons agir sur l'attractivité, mais aussi, comme le rappelait le film tout à l'heure, sur la sécurité, la propreté, la rénovation urbaine. Le maintien d'une offre de services publics de haute qualité, comme pour les transports, la culture ou la, la création d'activités économiques pour l'emploi. C'est tout ceci qui permet de créer une dynamique nouvelle. Une dynamique qui attire en même temps les investisseurs, les talents extérieurs, les visiteurs, les créateurs d'entreprises et donc d'emplois. L'attractivité est un cercle vertueux. C'est en, tra en travaillant à tout cela que chaque stéphanois peut trouver sa place et participer personne ne doit rester sur le bord de la route c'est cela l'esprit stéphanois et nous voulons vivre dans une ville qui nous ressemble belle généreuse chaleureuse et inventive saint-étienne c'est un habit d'arlequin pas pour les couleurs mais pour les mille pièces rassemblées par les coutures visibles qui racontent notre histoire. L'homogénéité n'a pas sa place dans le processus de créativité. C'est pourquoi je ne veux pas que Saint-Étienne naisse, mais qu'elle renaisse. Il nous faut nous servir de ce qu'elle est dans la continuité de siècles d'histoire, de tradition, de créativité. Mais qui a construit ces siècles d'histoire, de tradition et de créativité Vous, les stéphanois. Dans ce combat, notre pire ennemi se nomme résignation. Se résigner, c'est cesser de prendre ses responsabilités. Or, être responsable aujourd'hui, c'est croire que les valeurs de la République sont les seules à même de garantir la liberté de chacun d'entre nous. Là où la résignation s'installe, les préjugés apparaissent et la division gagne. La politique aujourd'hui, c'est de dire les choses sans outrance, sans violence et sans diviser. L'unité n'est pas une utopie. Je crois même que c'est notre seule chance. Ma responsabilité d'élu est de conduire les politiques qui favorisent le rassemblement pour construire cette société que nous voulons. Mais c'est aussi ma responsabilité de vous demander si vous êtes prêts à assumer les vôtres. Chacun d'entre vous, chaque Stéphanois, a son talent et peut l'exprimer à sa manière et avec le caractère qui est propre à Saint-Étienne. Que chacun puisse croire en son destin et que chacun fasse confiance à sa ville pour le réaliser. C'est aussi cela ma mission en tant que maire avec mon équipe. Saint-Étienne est en train de devenir la ville où tout est possible, mais rien ne peut se faire sans vous. Alors qui est prêt à le faire Qui veut se joindre à cette nouvelle dynamique À ceux qui disent, mais dans quel monde vivons-nous Je réponds, dans le monde que vous construisez, que nous construisons, construire ensemble cet avenir. Voilà la responsabilité partagée du citoyen et de l'élu. C'est un travail d'équipe. Depuis 2014, vous n'imaginez pas tout ce que vous m'avez apporté au cours de l'exercice de mes fonctions. Ce que j'ai pu apprendre de nouveau grâce à nos échanges et à la réalisation de vos projets. Ce que j'ai pu apprendre... Sur moi-même au contact des réalités quotidiennes des stéphanois. Ce que j'ai pu apprendre sur la réalité de l'exercice de mes fonctions en me battant tous les jours pour Saint-Étienne et ses habitants. Tout ce que je viens de dire, mesdames et messieurs, il me semble qu'une citation d'Albert Camus le résume parfaitement et ce sera ma conclusion devant l'énormité de la partie engagée qu'on n'oublie pas en tout cas la force de caractère je ne parle pas de celles qui s'accompagnent sur les estrades de froncements de sourcils et de menaces mais de celles qui résistent à tous les vents de la mer par la vertu de la blancheur et de la sève, parce que c'est elle, dans l'hiver du monde, qui préparera le fruit. Je vous remercie et je vous souhaite encore une fois à chacune et à chacun une excellente année.